Dolmen, appelé pierre de la fée, en raison d'une légende qui s'y rapporte, est une sépulture collective préhistorique datant d'environ 2500 ans avant Jésus-Christ. Les parois en pierre sèche de la chambre funéraire ont disparu et ne subsiste que la dalle de couverture, poids environ 25 tonnes, et ses supports. Ce dolmen était en liaison avec un habitat. Il faut bien qu'on mette un contenu un peu insolite. Ah ouais, c'est pour ça. Bon. Alors, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, Néo Trouvé Explore s'est déplacé aujourd'hui. Bonjour à tous. Au dolmen de la Pierre des Fées, à Draguignan. Et notre ami Alex, eh ben, il a escaladé. Et il va nous ramener des images. On va pouvoir mixer avec les miennes que je prends en bas. On va le voir un petit peu sous tous les angles. Donc c'est le plus gros de la région, on va dire, hein, du sud. Ouais, un des plus gros. Il se compose de trois pierres debout, recouvertes par une quatrième posée à l'horizontale. Et les pierres utilisées ont dû apparemment être extraites de carrières se trouvant dans un rayon estimé entre 400 et 1400 mètres. Donc il faut imaginer le travail pour extraire ces pierres et les amener ici vu la taille du mastodonte. Pierre du dessus qui est assez gigantesque. Donc, comme vous pouvez voir, on peut passer en dessous facilement, à taille humaine. Et on touche même pas au-dessus la pierre. Donc la table de couverture, la pierre du dessus, elle mesure 6 mètres de long, 4,70 de large. Et 58 d'épaisseur, 58 cm, soit environ 60 tonnes. Ça va Alex? Tout va bien. Alors, il y a une légende qui est rattachée à cette pierre. Donc, légende, entre autres, rapportée par le poète Frédéric Mistral, qui devait exister avant.
Donc selon la légende locale, les femmes en mal d'enfant allaient y visiter la fée Estherel qui les aidait à tomber enceinte. Pourquoi ? Ben c'est parce que c'est rattaché à la légende de la fée, d'une fée. Alors on raconte qu'une fée aimait se déguiser en bergère. Je vous raconte l'histoire. Un jour, elle séduisit un jeune génie du voisinage à qui elle offrit sa main, à condition que le mariage soit célébré sur une table formée de trois pierres dont elle fit le croquis. Le jeune homme reconnut alors les pierres qui avaient dévalé la montagne voisine et réussit à en dresser deux, mais la troisième résista. Il crut avoir perdu la main de la bergère. Pendant la nuit, la fée souleva d'un geste magique la lourde dalle et la déposa sur les deux autres. Quand le génie découvrit le prodige, il comprit qu'il était un bien modeste génie et qu'il était condamné à mourir parce qu'il aimait une fée plus habile que lui. Il mourut donc et fut pétrifié. Voilà la petite histoire. Alors la légende raconte aussi que la fée, aussi triste soit-elle, a survécu à son fiancé, mais qu'elle aurait tout simplement disparu. Et on raconte, là que ça devient intéressant, que certaines nuits, elle vient hanter le dolmen et surveiller les bijoux qu'elle aurait cachés là. Donc, il y aurait peut-être un trésor en dessous, selon la légende. Voilà, voilà. Alors le dolmen a été rénové, on disait tout à l'heure, on en parlait, regardez la dalle de béton qui a été coulée là, qui est bien sûr pas d'origine, ça remonte pas il y a 4000 ans. Et regardez ici, vous avez comme si elle avait été rafistolée quoi. Hein. Elle avait été coupée ici. On a rajouté donc à certainement un moment la pierre du dessus a dû tomber ou être déplacée. On l'a remise dessus. Voilà. Ok. En tout cas, un très beau vestige. Hein.